Révélé en 2009 lorsqu'il rejoint le casting de la série à succès Plus belle la vie, Marouane Bérény a campé le rôle d'Abdel Fedallah pendant près de 13 ans. Aujourd'hui connu du grand public et très actif sur les réseaux sociaux, le jeune homme de 34 ans affiche toujours une bonne humeur constante et un sourire rayonnant. Pourtant, lui et sa famille sont passés par une période très difficile. En 2013, il doit en effet faire face au décès soudain de son petit frère Bilal. Si ce deuil est difficile à surmonter, si est-il que Bilal Bérény est mort dans des circonstances particulièrement cruelles et injustes. Peintre de rue surnommé Zoho Projet, le jeune homme âgé de tout juste 23 ans est à Détroit, de l'autre côté de l'Atlantique, lorsqu'il se fait tuer par une bande de jeunes garçons, tous âgés de 17 à 20 ans. Ces derniers l'auraient tué pour lui prendre son argent. Il est retrouvé mort par balle dans un immeuble désaffecté de la ville, mais son corps n'est identifié qu'un mars 2014, 8 mois après son assassinat. Malgré les années, Marouane Bérény continue de penser à son frère. Ce jeudi 9 février 2023, il a d'ailleurs posté un hommage sur son compte Instagram. Il est facile de sortir le gamin de la rue, il est plus dur de sortir la rue du gamin, écrit-il en légende d'une photo laissant apparaître le panneau de la place Bilal Bérény, située dans le 20e arrondissement de la capitale.